皆さんこんにちは。私はイタチです。我々はオカミ HD の第13のエピソードのために会おう。Et nous voici donc dans une nouvelle zone dans Okami HD. Nous sommes arrivés dans la campagne. Alors je vais revoir le nom, c'est difficile franchement de retenir tous ces noms. On est sorti donc de la forêt d'Agatha hein, dans laquelle on a terminé notamment le donjon des ruines de Tsutamaki. Pour arriver donc ici à la campagne de Takamiya. D'ailleurs, on y est arrivé de manière un peu space. Hein. On a dû traverser donc une espèce de rivière. On devait en fait construire un pont, mais en réalité, c'est plutôt un rondin de bois qui s'est retrouvé entre les deux rives de manière un peu accidentelle, si on peut dire, grâce ou à cause, hein, je sais pas dans quel sens on peut le dire, de Susanoo, le super guerrier de l'espace. Et donc, donc on est arrivé dans cette zone, on a rétabli la lumière grâce à l'arbre gardien qu'on a trouvé qui est au-dessus, je crois. Il est au-dessus, voilà, il est au-dessus sur la droite, je crois qu'on le voit sur la carte. Voilà, il est juste sur notre droite. Et donc, on va pouvoir avancer un petit peu dans cette grande zone. Et notamment aller dans un village. Alors le village, j'ai déjà encore une fois oublié le nom. Mais les mémoires sont là pour ça. Voilà, Mystérieux Miroir nous a dit... Est-ce qu'il nous l'a dit? Non, il nous a juste parlé d'un grand moulin. Mais en gros, dans un village qui se situe juste à côté. Le village de Kushinada ou quelque chose comme ça. On va pouvoir parler au bus. Puisqu'on a rétabli la lumière. Alors la zone maudite a complètement disparu. Les affaires vont enfin reprendre. Mais ces fichus top m'ont dérobé mon outil de travail. Je ne peux pas travailler sans ma tasse de thé. D'accord. La zone maudite a disparu, mais je ne peux toujours pas travailler. Il faut que je reprenne à ces fichus top ma tasse de thé. Mais comment faire? Je sais pas, on va aller voir si je peux faire quelque chose. Alors, qui aurait pu imaginer que la malédiction disparaisse aussi vite? Depuis, je peux franchir la barrière et rentrer à la maison. J'ai encore des choses à faire à Kusanagi. Mais je ne peux pas oublier ces terribles grognements. J'ai pas vraiment envie d'y retourner maintenant. Ma femme m'a demandé de lui ramener un virevent. Qu'est-ce que c'est ça? Un virevent. Elle va me passer un savon si je rentre sans. Je sais pas ce qui est pire, ma femme ou les grognements. Franchement, celle-là, elle était téléphonée. Alors, depuis que le vent divin ne souffle plus, la campagne est dangereuse. Personne ne vient plus vendre à Takamiya. Les temps sont durs. Un poisson frais de la forêt d'Agatha vaudrait une fortune. Bon, en gros, il me répète la même chose que dans l'épisode précédent. On va essayer de lui vendre un poisson. Hein. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tac. Voilà, je me suis trompé. On va lui vendre un fichu poisson, allez. Je vais vendre le plus cher. T'as bon, t'es content? Non, comment on fait? Voilà, on est comme ça. Alors il y a toute cette... voilà, tous ces bordels là. Alors je vais regarder. Voilà, là par exemple j'en ai deux, je vais vendre celui-là. Voilà, c'est juste pour dire de vendre, faire de la thune. C'est du business. Et donc, ben, c'est reparti. On va essayer d'explorer un peu plus par là, là, sur la droite. C'est une zone à laquelle on pouvait pas accéder lorsque c'était maudit. On va essayer de regarder dans les airs s'il n'y a pas des bourgeons. Ça n'a pas l'air. C'est un peu bizarre ici, avec l'ombre des arbres. Eh, hey, c'est une taupe. D'accord. Hé, hey, toi, gros poilu, arrête-toi là. Comment oses-tu te promener ici sans notre permission? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Parole d'Otsuchi. Otsuchi. Otsuchi, patron des bas-fonds. Tout le territoire souterrain de la campagne nous appartient. Tu comprends que les gens peuvent pas circuler comme ils le veulent. Le moulin, c'est plus haut, mon frère. Il y a un droit de passage ici. Alors allonge la monnaie. Toi comprendre, tu sais, ça brille et ça fait cling cling. Quoi? Je vais te dire un truc, Otsuchi. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont le pinceau et l'encre, et ceux qui creusent.
toi tu creuses. Alors Ama, on va te montrer qui a la tête la plus dure. Oh, tu as du cran. Alors t'as plus toute ta tête. D'accord mon frère, tu l'auras voulu. Allez les petits gars, en formation, prends la technique du nuage de terre dans ta face. Wow. Je sais pas si je peux leur foutre des coups de pinceau. Ok. Je sais pas si je dois leur rentrer dedans peut-être. Voilà. Bon gars, tu m'as eu. Ah d'accord, c'est une espèce de jeu. C'est comme le jeu avec le marteau et les tops qui sortent à la fête foraine. Bouga ! Si tu crois que tu peux me faire mal avec ça, viens te battre comme une top. D'accord, vas-y, viens te battre. Alors, je sais pas trop ce que je dois faire. Voilà, tu m'as eu. Hein ? Jack ? Bon gars, le laisse pas toucher au patron. D'accord, il faut que je touche le patron. Ah bordel, je me suis loupé grave. Ah, il est encore là. Ah ouais, tu cherches les coups. Prends ça alors. Wow. Allez, je vais essayer donc de toucher leur patron. Voilà. Wow. Fumier, mieux vaut pas plaisanter avec nous. Il a réussi à me toucher. Voilà, donc en fait, ouais, quand on le touche, quand on les touche, eux, ça fait rien. Ah non, vas-y, quoi, ils sont en train de me foutre des claques. Alors, où est-ce qu'il est, leur boss, là? Il est là. Ah, bordel, mais c'est trop chaud, en fait. C'est le bordel. Ah non. Voilà. Alors ça dit quoi? Bouga, je pige pas là. Comment tu peux résister aux nuages de terre? Alors c'est la première fois que tu croises un loup à la tête si dure. Pas de chance, en plus c'est une déesse. Vous avez intérêt à vous tenir à carreau maintenant. Le crime ne paie pas. Je sais ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. C'est juste que on s'ennuie tellement ici. Personne ne vient jusqu'ici. C'est pour ça que j'embête les autres. Je voulais juste me faire des copains, c'est tout. Poilu, tu veux bien être mon pote? Alors, je vais faire des efforts à partir de maintenant, promis. J'aimerais que tu sois pote. Tu sais qu'on soit pote. Comme ça, je me sentirai plus si seul. Ouh là là, cette histoire devient de plus en plus dingue. Sniff, je devrais pas pleurer comme ça. Bon, je vais retourner sous terre et sécher mes larmes. A bientôt alors. Tu viendras, hein, poilu. A bientôt. Ouais, il a lâché le truc, donc ça doit être la tasse de thé du mec. Voilà, voilà, mordre. Et donc, on va aller lui rendre. Bon, en tout cas, c'est cool, je me suis fait un pote, là. J'ai un pot de top. Ça fait plaisir. Allez, donc normalement j'ai toujours en bouche. Je vais lui ramener ça. Mais c'est ma tasse de thé. Tu l'as reprise à ces fichus top. Donnez la tasse de thé. Voilà. Merci à toi, cette tasse et mon porte-bonheur pour les affaires. Laisse-moi te récompenser pour ta gentillesse. Vous avez obtenu un champignon d'or. Il te plaît? Un de mes clients m'a payé avec l'autre jour. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air sacré. Il est à toi. Merci encore, l'ami. Par contre, j'ai pas eu de sphère du bonheur, c'est un peu dommage. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'ai oublié quelque chose la dernière fois. J'ai oublié d'utiliser ma poudre d'or. J'ai essayé une arme à améliorer. Donc effectivement, je peux améliorer celle-là aussi. Mais je peux également améliorer celle-là aussi. Alors je vais améliorer bah, justement celle-là. Hop.
Rugissement Slice. Un champignon mystérieux qui peut parfumer n'importe quel plat. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a une ligne là. Vous voyez, entre ces deux endroits. Il y a une ligne, donc c'est peut-être des objets importants, je sais pas. On verra. Alors, au niveau de l'équipement, donc j'ai amélioré ça. On va voir ce que ça dit. En tout cas, là, vous voyez qu'on voit qu'il brille un petit peu. C'est-à-dire qu'il est amélioré. Allez, donc bon, c'est reparti. On va aller, on va aller faire le combat qu'il y a ici. Histoire de refleurir un petit peu cette zone. Allez, foutu poids Sky, là. Nebula Met. Non. Il faut que je le fasse dégager. Voilà. Voilà. Ah non, pas eux. Ah, je les déteste. Voilà, là c'est bon. Hop. Ah bah allez, quoi. Voilà. Compliqué, bordel. Hop. Alors là, il est en l'air. Bon, je pense pas que ça marche, hein. Voilà, là, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Bon, avec eux, les crocs du démon, c'est un peu difficile de les avoir. Généralement, il faut finir les ennemis avec une attaque pour laquelle ils sont sensibles. Allez, là, je suis à 160. C'est quoi ça? Un tigre? D'accord. On va lui donner de la viande, je suppose. Ah ouais, forcément. Le tigre va pas bouffer des graines ou de l'herbe. Ah, je commence à avoir pas mal de sphères. Il va falloir que je finisse par les utiliser. Tiens, ce rocher, là. Il va falloir plutôt que j'ai lu commence à les utiliser pour bah, améliorer mes stats. D'accord. Alors je sais pas si on peut venir revoir les tops. Je sais pas ce qu'il faut faire. Creuser. On creuse, petit toutou. Non, ça a pas l'air. Bon, on viendra peut-être les revoir. Bon, on va peut-être venir revoir notre pote, un de ces quatre. Alors là, il y a des gens. Ok, donc le passage il est là. Allez, on va faire un tour. Là, c'est marrant que ce soit sombre comme ça là. Ça m'a l'air d'être une maison assez importante. Attends, il y a une vieille là, elle a l'air dégueulasse. Mémé coupe-gorge, d'accord, bah déjà. Avec un nom comme ça. Quoi? Je cherche quelque chose d'appétissant à mettre dans ma cuve. Mais je ferai l'affaire. Tu feras l'affaire, comme. D'accord, elle va nous bouffer, quoi. Mémé coupe-gorge. Pépé va nous trouver une grosse bête. Mais en attendant... Non. Calme-toi, mémé. On va observer ça. Mais il est dégoûtant, ce puits. Touche pas à cette eau. Camille ou pas, tu tomberas malade. D'accord, donc on va éviter. Tiens, il faut que je me casse d'ici parce que... Tiens, il y a un truc dans le sol, là. Peut-être une perle errante. C'est une perle errante. Alors, c'est vrai que c'est pas facile de repérer quand même les coffres comme ça. On m'a dit que j'en avais raté plusieurs. Mais c'est vrai qu'il y a juste un tout petit morceau de, je sais pas, de crête là qui dépasse. Donc c'est vraiment pas évident de... examiner. Regarde-moi cette maison en piteux état, les murs tombent. Essayons de grimper en haut. Effectivement, c'est ce que je voulais faire. Et voilà, du pognon, du fric. Ah. Examiner. Le toit a été couvert de planches de bois. Du travail d'amateur. Tu vas bien trouver quelque chose pour faire voler tout ça en éclats. Pour faire voler tout ça en éclats. Une bombe peut-être? Effectivement, c'est une bombe. Allez, on va faire un tour. Quel taudis, les rayons du soleil passent à travers le toit. Il est gros ce trou.
Je suis sûr qu'on peut y voir la lune la nuit. Mais c'est pas trop l'endroit pour la contempler. Effectivement. Oh ! Tiens, on va couper ces têtes là. Voilà. Quoi cette bouffe là ? Non, non, on fourre pas ton museau là-dedans. Oh, d'accord. Je peux même pas manger ce coup. Ah, bordel, je suis sorti. Bon, donc visiblement, il faudra peut-être revenir la nuit. Puisqu'apparemment, la nuit, il y a quelque chose. Ah non, non ! À observer ici. Alors, est-ce que la mémé avait toujours de bouffer ? Tu vas me provoquer, hein, sale cabot ! Cette fois-ci, je vais t'attraper. Vas-y, vite ! Tu es cuit, je vais t'avoir, sale cabot. Non, 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 non ! Bravo ! Casse-toi là! Non, non, non! Vilaine grand-mère, va, elle veut me bouffer. Elle veut me couper en rondelles. Allez, vas-y, on se casse d'ici. Elle est complètement starbée, cette grand-mère. De toute façon, j'avais senti que quand on est arrivé là, que c'était un endroit un peu bizarre. C'est quoi ce truc là? Ah, pousse de bambou. Excellent bouillé ou en salade. Remplit bien l'estomac, d'accord. Alors, c'est quoi ça? Vers le village de Kusanagi. Ok, et dans, de ce côté-là, c'est quoi? Oh bordel. C'est tellement grand que bon, on va peut-être éviter de se perdre hein, quand même. Donc, je vais continuer par là. Un sac de viande. Hop. Alors, donc, on m'a dit. On m'a parlé de ces espèces de statues, je crois. Enfin, je sais pas si c'était celle-là. Ou... Non, c'était les espèces de statues pour lesquelles on pouvait faire des offrandes. On m'a dit qu'il fallait que j'achète quelque chose, je crois. J'ai peut-être un peu oublié ce qu'on m'a dit. Je suis désolé. Hop. Mais apparemment, ouais, il y aura des choses à avoir qui me permettront de faire des offrandes. Allez, je vais l'ouvrir. Et là, on va pouvoir le flinguer, sa race. Par contre, ouais, je sais pas s'il a pouvoir le fleurir. Ah, je peux peut-être fleurir la boule qui est au-dessus là. Et effectivement, donc c'est ça. Bon, en tout cas, encore merci à ceux qui me posent des commentaires là pour m'aider un peu. Il a vu, grâce à vous, là, j'ai compris comment. Voilà, là tu sais pas où je suis. Et je te cac. Et voilà, là tu me lâches un croc aussi. Voilà. Vous voyez, je suis pro des crocs maintenant. Franchement, ça fait plaisir. C'est grâce à vous. Allez. Oh, c'est encore super beau avec l'eau. Bon. Ah non, l'eau c'est bon. Elle est de la bonne couleur. J'ai cru qu'elle était verte. C'était un peu bizarre. Et donc il y a un petit personnage là-bas sur notre gauche. Alors on va. Alors source de sirène. Alors tu vois cette lumière, c'est une source de sirène. Une légende raconte que de belles sirènes apparaissent ici. On dit aussi qu'il existe d'autres fontaines un peu partout. N'hésite pas à les visiter. D'accord, on sait pas trop à quoi ça sert pour l'instant. On verra un peu plus tard. Alors par là c'est l'autre partie de la plaine, je vais pas y aller pour l'instant. Enfin quoi que. En fait j'y suis un petit peu mine de rien. C'est marrant ces trucs là. Enfin si on peut les couper peut-être. Non on peut pas. Enfin, attendez, la lame lumière elle a pas été exécutée là. Non. Non, bon ça marche pas, c'est pas grave. Peu importe. Tiens, il y a un arbre ici là. On va aller lui refoutre quelques couleurs. Que pour visiter toute la plaine et remettre tous les arbres en fleurs, ça va être un peu difficile, un peu long. Ah. Tchac. Voilà. Est-ce que je peux encore monter? Ah ouais, effectivement, vous voyez là-bas. Je sais pas ce qu'on va aller y foutre, mais on y va quand même. Ok. Ah d'accord, attendez, je peux aller en face apparemment.
Je sais pas si je peux vraiment y aller, mais visiblement, pas l'impression qu'on puisse. Non, on peut pas marcher là-dessus. On reviendra y faire un tour un peu plus tard. De toute façon, il faudra peut-être avoir quelque chose de particulier pour pouvoir, je sais pas, marcher dessus ou je ne sais quoi. Alors, ce que je voudrais faire là, c'est aller voir dans la maison de la grand-mère là. Que là, comme on est la nuit, on va peut-être pouvoir voir quelque chose à l'intérieur de la maison. Alors, par contre, elle est plus là, ça me fait un peu flipper parce que ça tombe, elle est à l'intérieur. Il y a un truc ici, là, j'ai pas fait gaffe. C'est quoi? Des tombes? Ici, personne n'a l'air d'en prendre soin. C'est triste. Allez, donc, allons faire un tour là-bas. Examiner. La lune brille à travers le toit. Elle est vraiment brillante ici. Le pouvoir des yokai est grandement affaibli sous les rayons de la lune. Ah bah, attirons les types suspects sous la lune. Types suspects. Il n'y a rien d'intéressant ici visiblement. J'essaie de réveiller la grand-mère, lui rentrer dedans. Yark. Attirons les types suspects. J'ai pas l'impression qu'on puisse la réveiller. Bon, c'est un peu space, mais en gros, enfin, c'est toujours bon à savoir. Il y a un rayon de lune ici. Et il y aura peut-être quelque chose à y faire un peu plus tard, mais bon, pour l'instant. J'en sais rien. Parce qu'apparemment les yokai ils sont très affaiblis sous la lune. Allez go, on y va. Et donc on va essayer d'aller vers le village de Kusanagi. Qui a priori est dans cette direction. Hop, j'essaie d'éviter les combats là. Pas perdre trop de temps. Ah tiens, un petit singe. On va y filer, c'est des graines je crois. Ouais, c'est des graines. Plus 9, ça c'est cool ça. Allez go. Ah, il y avait un sac de quelque chose là. Voilà, un sac de graines justement. Un dépensé, un gagné. J'essaie de regarder sur les côtés s'il n'y a pas des choses. Voilà, comme là. Il y a un truc. Ah non, c'est juste des lampions. Donc on s'en fout. Allez, on passe par là. Normalement, c'est vers le village de Kusanagi. C'est bien ça. Ça m'a l'air. L'atmosphère m'a l'air assez lugubre. On va essayer de récolter quelques informations sur ce qui s'est passé. Oula, c'est sinistre ici. Le mal est présent ici. Pas d'erreur. Bonjour, monsieur le marchand. Ah, misère. J'espérais pouvoir faire des affaires ici, au sanctuaire du vent, mais un monstre s'y est installé, et depuis c'est la panique. Tant pis, je suppose qu'il va falloir faire avec. Et toi Toutou, tu veux faire des courses pour ton maître? Ouais, on va essayer de voir si on peut acheter 2-3 trucs. Eh, hey, Virevent. Ah, Virevent, donc ça va être pour le mec. Ah d'accord, c'est ça un Virevent, c'est une espèce de... D'accord, un petit moulin. Donc je vais acheter ça pour le mec qui voulait pas rentrer chez lui sans le virevent. Allez hop, on achète ça. Épuisé. Bon bah c'est un objet unique, un objet de quête littéralement on peut dire. Alors jugement éternel, le symbole de l'éternité qui juge et condamne les serviteurs du mal. D'accord, ça c'est peut-être pour de la quête annexe un peu plus tard. Alors là je peux en prendre 2. Prendre les 2 hein. Voilà, comme ça c'est épuisé. Alors tous les autres objets de toute façon j'en ai quelques-uns en réserve, enfin, sauf ça. Mais bon c'est pas trop grave. Là, il faut dépenser la thune pour éviter de... Oh, c'est trop bizarre, vous voyez, il y a des kanji qui apparaissent au premier plan là en rouge. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu.
Ah d'accord, mon encre. Mon encre disparaît. Tiens, un sac de machin. Donc du coup, je vais perdre tous mes pouvoirs divins. Gardez-moi ça. Don oui. On est un vulgaire clébard maintenant. Alors on va visiter un petit peu la première maison. Ça c'est un truc à bouffer. Hop, on récupère ça. En tout cas, on n'a plus du tout de pouvoir là. Même plus du tout d'armes. Alors dame du puits. J'ai trop parlé aujourd'hui, ma gorge est toute sèche. C'est un petit peu pareil pour moi là. Je le cache pas. Alors mais demain, ça ira mieux, je reprendrai la conversation. On verra ça demain. J'ai vraiment du mal avec tout ça. J'essaie de faire ma récolte, tu comprends? Il n'y a que les paniers de grand-père bambou qui soient assez grands. Tu es déjà allé lui rendre visite, il habite le village, tu sais. Les gens apprécient vraiment son travail, c'est un artisan de talent. Mais depuis un moment, il ne fait plus rien. Il dit ne plus avoir de bambou pour construire quoi que ce soit. Bon, boulot, au boulot. Tu as déjà vu la maisonnette abandonnée dans la campagne? Elle est habitée par un couple de vieillards. Ils ont acheté un objet en bambou, une cage à oiseaux apparemment. Ils détestent les animaux. Curieux cette passion soudaine. Alors de qui il est en train de parler là? Il est en train de parler de la grand-mère qui voulait me zigouiller là. Alors tu as déjà vu la maisonnette abandonnée dans la campagne, ouais, ça doit être ça. Elle est habitée par un couple de vieillards. Ils ont acheté un objet en bambou. Une cage à oiseaux, apparemment. D'accord, ils détestent les animaux, blablabla. Ok, toujours bon à savoir, hein, on y reviendra. Pour avoir des infos. Ah tiens, super, il fait jour, mais il fait pas plus jour qu'il y a 2 secondes, en fait. Ah, c'est Susano. Bordel, mais comment il fait? Non, arrêtez. Je te laisserai pas. Pas toi. Tiens, tiens, voilà notre bon Susano. Solide gaillard, ce Susano. Je me demandais ce qu'il faisait. Je m'en demande ce qu'il faisait. Il doit être poursuivi par des monstres dans ses cauchemars. Il a l'air tout en panique. Pff, je devrais pas rigoler, le pauvre. Encore ce rêve. Encore lui, il continue à être dans mes rêves, même si... Hey, Susano, encore en train de rêvasser? Ça doit être bien de pouvoir faire la sieste quand tu veux. L'invincible Susano, tu parles. Mes fesses, oui. Sac à puce. Hey, le morpion. Cof, cof. Vous voyez bien que je suis en pleine méditation, ouais, comme d'habitude. Même quand je rêve, mon esprit prodigieux continue à élaborer de subtiles stratégies pour combattre ce casque machin truc. Je suis venu ici au sanctuaire du vent pour se méditer. Ouais. Et qu'apprends-je? Casque machin bidule s'est installé dans le temple. Bah avec mon épée invincible, la victoire m'est acquise. Pas besoin de prier, mais je dois être parfaitement préparé. Le sort de l'humanité entière est entre les mains du grand Susano. Alors, j'en étais où? Ah oui, réfléchir à ma stratégie. Plan de bataille. Un plan de... Tu veux dire une grosse sieste? Une bonne grosse sieste. Allez, bon, on va laisser pioncer. Alors, visiblement, le temple, ça a l'air par là. Bon, je sais pas trop par où c'est. On va continuer à explorer le village, de toute façon. Il y a encore des gens... Ouais, des gens dehors. Ah, bah tiens, c'est les gens qui étaient dans la maison. Alors, combien de temps ça va encore durer? Le village Kusanagi est célèbre pour le vent divin qui y souffle. Mais maintenant qu'il ne souffle plus, tout a bien changé. Ce vent est notre protecteur. Sans lui, même l'air est mauvais. Tout est donc perdu. Personne ne pourra nous aider. Tiens, parlons de cela. On va parler à celle-ci. Alors, le prêtre du sanctuaire s'est fait dévorer par ce monstre. Je suis sûr que c'est pour cela que les vents ne soufflent plus. Et depuis, le sanctuaire est attaqué par les démons.
La force protectrice du Kami du sanctuaire diminue de jour en jour. C'est ce vent divin qui faisait tourner le moulin. Mais ce n'est pas du tout... Ok. Donc ok, donc là de ce côté, ça sert à rien d'y retourner. Alors elle est là. J'essaie de regarder en fait sur le sol si j'oublie pas des choses, on sait jamais. Tiens ici, je sais pas si je peux... Ah bah oui, je peux pas utiliser mon pinceau. J'allais dire, je voulais restaurer le... l'herbe, mais c'est pas possible. Alors donnez de l'eau aux fleurs s'il vous plaît. On dirait qu'un enfant l'a écrit. Tiens, ça doit être elle. Fille des champs. Bonjour petit chien. Cet endroit était très beau il n'y a pas si longtemps. Les fleurs prenaient racine au bord d'une cascade à l'eau cristalline. Mais un jour, le vent s'arrêta de souffler et la fontaine s'assécha. Mais je continue à les arroser. Elles repousseront bien un jour. T'inquiète pas, on fera tout ce qu'il faut. Ici, les fleurs étaient si belles auparavant. Maintenant, l'endroit est plein d'herbes mortes. Mais je continue à les arroser. Elles repousseront un jour. T'inquiète pas, poulette. On fera tout ce qu'il faut pour que ça refleurisse. Alors, il y a une grande maison, là. Une très grande maison. Regardez, là. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Je crois que c'est un animal asiatique. Une espèce de panda bizarre. Mi-koala, mi-panda. Ça ressemble à rien. Allez, bon, par là, je peux pas passer. Donc, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Attendez, je vais vérifier. Waouh ! On va pas se noyer. On va rentrer. Allez, go ! Oh là, il y a un ours. Dory. On va regarder un peu tout ce qu'il y a. Bizarre ce truc là, on dirait qu'il manque un œil. Faudrait peut-être le dessiner au pinceau, qui sait. Mais ça c'est de la bouffe. Ici rien à faire. Il y a quelqu'un qui part. Attendez, examinez d'abord. Alors cette statue ressemble à l'ours endormi qu'on a croisé. Effectivement, c'est vrai. J'y ai pensé. À vrai dire, celui-là ressemble plus à un véritable ours. Oh bordel, j'ai appuyé. Alors Madame Oumé, l'autre jour, un gars sorti du bois est venu sans argent lui aussi. Je l'ai laissé rentrer parce qu'il est descendant d'Izanagi. Donc ça doit être Susanoo. Mais j'en crois pas un mot, il dort toute la journée. En plus, il fait trop de bruit quand il dort. Tu veux pas lui faire peur pour que je récupère mes sous? On verra, t'inquiète. Allez, on va aller faire un tour là-haut. Si c'est possible, c'est possible. On va pouvoir faire tomber tout ça. Wow. Ah, c'est de la thune à ramasser. Bon, okay. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et là-dedans, il y a juste de la bouffe. Ça sert pas à grand chose. Par contre, il y a une porte. Ah, Haruka. On frappe avant d'entrer. Et c'est ce que j'ai fait. Attendez que je sorte. Je vous ai dit d'attendre. Cette fois-ci, restez dehors et attendez. Non. Bon, évidemment, on n'a rien à faire ici. On va rester dehors. Peut-être qu'il faudra restaurer la lumière dans cette zone. Peut-être pour pouvoir parler à Haruka-chan. Donc, bah voilà pour... pour le village, je crois qu'on a à peu près tout visité. Enfin, du moins, il reste une zone visiblement de l'autre côté à explorer. C'est peut-être pour aller vers le sanctuaire. Mais bon, pour l'instant, je vais mettre fin à la vidéo. Et puis donc, on avancera un petit peu plus tard. Conclusion. Kono video o mite itadaki arigato gozaimasu. Wareware wa tsugi no jikan o mitasu.